Ok les amis, aujourd'hui on est au Urban Soccer de Strasbourg et je suis avec... Ivan. Ivan, enchanté Ivan. Présente-toi un peu Ivan, qui es-tu, que fais-tu, où vis-tu? Non c'est bien. Je fais partie de l'équipe d'organisation d'un tournoi de CeciFoot, ce qu'on appelle le World Grand Prix. Tu sais ce que c'est le CeciFoot? Le CeciFoot, il y a le mot foot dedans, donc je pense que ça a rapport avec le foot. Ceci c'est... Cécité... Donc ça veut dire qu'on voit pas. Voilà, c'est ça, être aveugle, être non-voyant. Donc CeciFoot, le foot pour les personnes aveugles, non-voyantes, malvoyantes. C'est quoi le programme aujourd'hui? On a la chance d'avoir Nico Riffel en parrain, qui a proposé cette initiative de faire un espèce de match d'exhibition. On va faire des petits jeux, des petits défis, on va finir par un match de CeciFoot avec d'un côté Team Célébrité versus Team CeciFoot. Voilà, et du coup, bah, je pense qu'il faut que je me prépare, c'est ça? Moi, je te passerai un petit masque, comme ça tu vas te mettre en situation. Yes. Ça fait depuis la 6ème que j'ai pas grandi. Mon anecdote, c'est que j'ai des chaussures pas du tout adaptées au foot. Ok, moi je fais pas de foot de base. Donc il l'a eu, genre... Ah mais c'est impressionnant. Waouh, la maîtrise du ballon, waouh. Ok. Le mec il a centré, il voit rien, c'est fou. Mais comment il a mis le but. Il a mis le but. Bon, ça va être un sketch. Tu les as vu jouer avant? Non. Ah ça m'a fait peur. Hein. Oh. Ils sont beaucoup trop chauds. Moi pas. Vous allez être perdu, mais s'il y a trop de bruit, vous allez être vraiment perdu. Oui. Est-ce que tu penses qu'on a une infime chance de gagner? Ah oui. Non. C'est honnête. Hein. C'est mort. Mais toi, tu viens taper dans la balle, je viens de m'arracher ma cheville. Je peux caser ce jeu de mots. Est-ce qu'on peut dire qu'on va se faire cuisiner? Impressionnant, impressionnant. Oui! Cours tout droit. Ouais, ouais. Tout droit, ma voile, tu l'entends? Et voilà! Donc là, il va guider Nico, il va lui donner des informations qui sont complètement fausses, ça va être très drôle, regardez. À gauche! Derrière, recule! Tout droit! Arrête-toi, fais un tour sur toi! Repars tout droit! À gauche! Fais un tour sur toi-même, de derrière toi! Demi-tour! Tout droit! À droite! À droite! Mets-toi à genoux! Relève-toi! Tout droit! Ils ont bougé la balle! Tout droit! Tout droit! Mets-toi à genoux! À ta droite! Derrière toi! Bah oui! Recule! Ouais! Mets-toi à genoux! À gauche! Avant! À ta droite! Ouais, ta droite, c'est là, ouais! La top! Ouais! Oh putain! Ok, cours! Tout droit, on est là! Le bâtard! C'est bon. Quel enculé! Est-ce que vous auriez peut-être un petit conseil à me donner? Dire boy tout le temps, souvent. Ouais. Signaler d'abord. Le ballon. Et écoutez boy. Le ballon. Si on t'appelle pour te donner de faire une passe, tu baisses un petit peu la tête. Ouais. Si elle arrive vers toi. Si elle arrive. Elle a dit si en fait on veut voilà, te passer la balle. Quand tu es comme ça, ouais. Dès que tu entends la balle, tu peux te faire comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que tu peux te déplacer. Oulala, c'est technique. C'est technique. Les mains, alors des trucs tout simples, les mains en avant comme ça. Les mains en avant, ouais. Voilà. Te protéger en cas où je me casse la gueule, c'est ça? Non, si tu te protèges le visage au moins. Je me protège le visage, pourquoi? Si tu m'envoies un pâté dans la tête, c'est ça? Un boulon. Comment ça, oui? C'est pas marrant. Mais déjà pour qu'elle arrive jusqu'ici. Tu préviens quand t'as la balle, hein. T'es au courant, nous on doit se faire une double passe. C'est quand même être très confiant en nous là. Hein. Non, j'entends déjà plus, je comprends déjà plus rien. Et... Stop, tu me dis quand tu donnes. Ok, je donne. Franchement, t'as géré. J'ai pas vu, mais je suis impressionné. T'as eu ma bonne passe et mon petit tour. Voilà. On doit faire des conduites de balles déjà en valide. J'arrive pas à faire des conduites de balles, alors imaginez quand je vois pas. Mais what? Je suis sûr, toi, même avec les yeux, tu vas pas aussi vite. À droite, je fais le tour.
Toi, tu t'as pas entendu. Écoute juste ma voix. Ouais. Épaule, vas-y. Ouais. Comme ça, tu peux faire le temps. Okay. Oh putain. Ok. Tu l'as ? Ouais, j'ai. Ok, Laurent, faut que t'appelles comme ça, Lucas, il vient vers toi. Oh, ouais, 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 ouais. Tu m'entends, tu entends ma voix. Tu me vois pas, mais tu m'entends. Fais la passe. Fais la passe. Laurent, ça arrive. Oh, c'est chaud. Malik, c'est ça, hein ? Ouais, c'est Malik. En fait, faut faire quoi ? Il y a vraiment des tout petits pas parce que j'ai perdu la balle, moi, dès le début. Ah, ok, d'accord, ouais. Et après, j'étais perdu, je tourne. Elle est où, la balle ? Ouais, ouais. Wow ! Mais c'est quoi ces tirs? Ouais. Je savais pas du tout où était la balle. C'était cadré. Nice. Je vais continuer à jouer sans regarder, je pense. Bon, j'ai une petite question déjà. C'est quoi pour toi le secret de la réussite? Pour moi, le secret de la réussite, c'est déjà persévérer, toujours croire en soi, ouais. Avoir confiance et jamais lâcher, jamais abandonner. C'est quoi les prénoms déjà? Heure du décès. Oh, je suis perdu, les gars, là. Hein. Ah, je suis perdu. Ah, c'est horrible, tout le monde parle en même temps. Je sais plus du tout où je suis sur le terrain là. Vaille. On est où là? Vaille, je suis perdu, les gars. Vaille. Mais je sais même pas dans quel sens je suis là. Ouais, vaille. Vaille. Ça va, toi bien? Ça saigne pas, ça me mettait. Ouais. Laisse-moi le voir. Ouais, je vais au contact. Oh, c'est dangereux le sushi food. C'est un sport de contact le sushi food? Ah, moi j'ai mis la main, j'ai touché, mais. Ah, ouais, moi j'ai pris une collision. Toi aussi, tu trouvais qu'il y avait beaucoup trop de bruit? Ah, ouais, de ouf. Moi j'étais complètement ailleurs. Amené, t'as dit en plein match, je suis perdu, et moi je savais pas où j'étais, je fais bah bon, ici, hein, les gars. Ouais, en fait, moi j'ai jamais entendu le mec sur le côté. Alors, et le gardien non plus. En fait, le problème, c'est qu'il devait sûrement nous parler, mais je savais pas à qui s'adresser. Enfin, c'était. Il y avait tellement d'infos, tu vois. Entre eux qui nous parlent, ouais. Les joueurs qui appellent la balle. Et toi où t'es concentré, où tu dois dire boy, sinon tu te prends un coup. Ouais. Non, en fait, ce que je disais avant, c'est que j'ai appris à jouer au foot en même temps que j'ai appris à jouer au sessi foot. Ouais, ça fait vraiment, deux challenges. Mais je recommande en fait, et même je trouve que en termes de cohésion d'équipe, c'est super intéressant. Ah ouais, c'est génial. Ouais. C'est incroyable cette faculté en fait de perdre un sens et d'en développer d'autres. C'est incroyable, c'est des champions, donc il faut voilà beaucoup de respect pour eux. Et si on peut aller les soutenir de temps en temps quand ils jouent, ça serait top. La plus grande difficulté, ouais. C'est de ne pas pouvoir de jouer sans se rentrer dedans. Donc faut pas avoir peur. L'appréhension du vide un peu parce qu'on voit rien. Bon, pour finir cette vidéo, le maestro. Le chef. Hey. Regarde, je suis blessé, j'arrive plus à marcher. Aïe, aïe, ça c'était dur. Et toi, ça va? Ça t'a plu? Bah écoute, ouais, j'ai pris un mec en pleine face. Ouais, ouais, bah, j'ai vu. Là, on a le tournoi international qui aura lieu de fin mai à début juin au Stade de l'Art à Schettigheim. On rappelle, équipe de France, du Brésil, on a le Japon, on a l'Allemagne, des très grosses nations. Ok, bah du coup, on se retrouve là-bas alors. Mais avec grand plaisir. Et puis on va boire un apéro là, non? En plus, en tout cas, j'aime bien le petit maillot. J'aime bien le petit maillot. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, à donner tes impressions. Et puis, bah voilà, je sais plus où vous êtes. Peut-être par là.